إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Après qui nous fait une apprenne concernant Ben qui mérite pour nous donner ce zakat, Inch'Allah, nous commençons cause concernant Ben qui pas mérite zakat. C'est qui Ben? Du monde qui pas supposé, ou bien qui ban place, qui nous zakat, pas supposé aller. Alors, parmi les personnes qui pas mérite zakat, c'est la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans Banu Hashim. Alors, tout ban qui trouve dans sa tribu là, dans Banu Hashim, alors connaît qui zakat haram l'ose. Je pas qu'il y a un droit prendre zakat. Apporté par Abu Huraira radiallahu anhu, Nidia al-Hassan, tu prends un tam depuis 20 tam de sadaqa et tu fais mettre ça sur la bouche. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin signaler, fin jali, ça veut dire crasse. Est-ce qu'il ne te pas connaît qui nous ment, nous pas ment sadaqa? Est-ce qu'il ne te pas connaît qui nous pas ment sadaqa? Alors, il y en a d'autres qui, al-Hassan, ils font partie dans la famille Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sur les petits-enfants. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin fait crasse, ça, tam qui font partie pour un tam de sadaqa. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ça c'est sadaqa, ça sadaqa là, c'est ban odur de ban djimoun. Un point moyen qui nous purifie nos richesses et nous purifie nous-mêmes. Alors, sadaqa, indirectement, il y a un odur, malgré qu'il l'argent là, il est propre. Mais c'est mal, il y a un moyen que nous purifie nous. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ça soit d'accord là, c'est odieux de ban djimoun, ni pas permissible, ni pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ni pour famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas gagné droit pour prendre zakat. Et même, ban esclave qui, sa famille là, puis libéré. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, l'esclave libéré d'un peuple, n'est pas mis ban la même. C'est-à-dire, sa famille là, je libère un esclave, sa esclave là, il faut partir de sa famille là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les plis expliqués, les dire, l'esclave libéré d'un peuple, il parmi ban là, et soit d'accord, pas halal pour nous. Soit d'accord, pas halal pour nous, ça peut montrer, même pour ban là aussi, nous pas gagner droit d'un, soit d'accord. Et dans certains moments, quand certains ban ulama, je dis, banu Hashim, je capable de prendre zakat. Par exemple, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, si Banu Hashim finit privé d'un cinquième du butin, butin de guerre, c'est-à-dire qu'ils sont supposés qu'il y ait un cinquième là-dedans, parce qu'ils font partie de la famille Rasul sallallahu alayhi wa sallam, alors dans sa circonstance, ça seulement, je gagne le droit d'un, je gagne le droit de prendre des pizakat, et Cheikh Uthaymeen, il dit, wahoua sahih, c'est ça qui est correct. Si je n'ai privé depuis sa l'autre famille là, là je gagne le droit pas ici. Est-ce que ça. La loi là, il y a piqué. Juste le Banu Hashim ou bien le Banu Muttalib. Alors, il y a un ulama, je veux dire qu'il dit aussi appliquer le Banu Muttalib. Mais quand nous guettons ben hadith là bien, nous trouvons que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il dit même dire Banu Muttalib et Banu Hashim, c'est un seul qui chose. Ça veut dire, c'est un seul qui chose dans qui chose. C'est un seul qui chose dans droit qui se tenait dans un cinquième dans butin de guerre. Mais, ben, on l'a je dis, qui dans Zakat, je pas pareil. Qui fait, je pas pareil, je vous aime dire, il y a un droit de Zakat à Banul Muttalib parce qu'il ben là pas fait partie de la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais qui fait, je t'associe, qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ben là, associé avec famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un cinquième du butin, nous répond à ce argument-là, qui s'allie basé sur le soutien et l'assistance. Contrairement à Zakat, ça veut dire que c'est à cause d'un soutien et d'une assistance, mais ce n'est pas Zakat. Alors, Banu
Muttalib gagne droit prend zakat, c'est Aziz Banu Hashim qui par gagne droit prend zakat. Comme ça même zakat nous pardonne Mandimoun qui solide, qui a travaillé. Alors c'est un dimoun, il solide, il a travaillé, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, sadaqa, pas permissible pour les riches, et non plus pour les faux. C'est celui qui n'a pas travaillé et qui se l'écho en forme. Mais comment nous dit, déjà pas cela, quand nous dit un dimoun qui n'a pas travaillé, c'est un dimoun qui a travaillé et je n'ai pas travaillé. Mais par exemple, dans la période de confinement, vous n'avez pas un dimoun qui a la capacité de travailler, mais des mois et demi de traverser là. Vous n'avez pas une permission pour sortir de la ou la case, vous n'avez pas de travail. Alors là, dans nos contextes maintenant là, il y a beaucoup de dimoun qui sont faux, qui ne sont pas supposés mériter zakat, mais seulement dans ce contexte là, là, je suis capable parmi les qui méritent. Si par exemple, ça a des mois et demi là de traverser, je ne travaille pas du tout et je travaille pour les autres. Je travaille. Je veux dire, le jour que je travaille, ça même la paie que je gagne pour être servi. Mais si des mois traversés l'un du monde, il n'y a pas de travail du tout, il y a d'autres qui disent qu'il y a un problème. Alors, dans sa circonstance, là, nous ne prenons pas de hadith, ça nous applique. Alors là, nous disons, même si c'est faux, mais à cause de partir de travail pour être, ou bien du monde, il faut. Il a envie de travailler, mais il a de travail, il n'y a pas gagné de travail. Il peut avoir même travail pour lui faire payer. Alors, quand il y a un travail ici, alors maintenant, je gagne droit pour la carte. Mais nous, ce qui concerne nous, normalement, un du monde qui dit faux, nous pas de Nisa, nous pas de Nisa carte. Comme ça même, c'est lui qui peut demander et nous sire qu'il n'est pas mérité. Un du monde peut demander nous la carte. Mais seulement nous sire que ce du monde-là n'est pas mérité. Un du monde est la maladie qui demande. Cheikh Othaymin, Rahimahullah, il dit, si nous faisons les contraires de ce qu'il peut prétendre, il peut prétendre qu'il dit zakat et ne pas donner, même s'il peut persister pour demander zakat. Même s'il peut persister, mais nous connaissons qui est une situation beau. Nous connaissons la personne qui n'est pas dans sa catégorie qui mérite zakat. Là. Alors parfois, il a dit, il a dit, je suis content de demander. Alors si nous connaissons ça, du monde, par exemple, allez, nous disons, du monde, alhamdulillah, il est en bonne santé, il peut gagner son pension. Et de nos jours, alhamdulillah, pension qui peut gagner dans le pays, il y a une pension ZIS qui est du monde facilement, il y a même sur la vie. Il y en a sur la case pour lui. Il paye dans la location pour payer. Il paye dans beaucoup de monde côté. Il paye dans la grande dépense et il paye du monde qui a certainement de complications, qui a besoin de rester à ces médicaments, etc. Mais un du monde comme ça, il supposé peut vivre à l'aise. Il supposé, dans le contexte, il peut vivre à l'aise. C'est pas. L'islam jamais te dire comment un monsieur mort, madame la vie de veuve, automatiquement il gagne, il mérite sa carte. Non. Comme une veuve qui est millionnaire, beaucoup de cas jeté là. Vous êtes monsieur, quittez vous êtes alors. Pas veuve qui nous donne du misère. Alors ça, c'est une différence qui nous vient de prendre compte. Et comme ça même, partout vient du monde qui, quand je viens vieux, ça veut dire que je vais bien travailler, ce qui je mérite sa carte. Alhamdulillah, il y a beaucoup vient du monde qui risque. Alors nous besoin d'une sa carte, 10 bandes qui méritent. Alors un qui nous sire, il n'est pas mérité, alors. Nous pas donner, même si il peut demander. C'est si nous connaissons la personne, il est dans les autres mauvais habits, nous connaissons qu'il dit demander, après il prend la monnaie, il servira dans les mal, ça ne nous peut plus pas donner ça. C'est du monde. Par exemple, il connaît du monde qui est drogué. Il demande des mises à cal, alors il connaît qu'il dit vous prenez ça en casse-là, il pourra le droguer, définitivement, nous pas donner sa qualité personnelle. Mais nous prenons compte sa famille. Nous prenons compte sa famille, il ne faut pas nous mélanger sa famille avec lui. Alors nous avons donné sa famille, mais nous ne pas donner. Parce que lui vous prend, lui pour aller droguer. Comme ça même, une personne qui est riche, par exemple, le hadith que nous citons avec là, une personne qui est riche, il ne mérite pas zakat. Une personne qui est riche, il ne pas mérite zakat. Mais c'est mort, et non, dans trois circonstances, s'il n'y a pas un man qui parle collection zakat, je ne sais pas, il gagne droit. S'il est endetté, il risque, mais c'est bon, il est endetté envers les autres, il tombe dans une situation, ça que la fait du mois, il peut faire sa ration, il peut vivre, mais c'est bon, il y a une dette qui n'est pas capable de payer. Alors, dans ce contexte, nous sommes capables d'aider avec Zakat pour lui payer sur ce dette. Et comme ça même, il est capable de risque, mais s'il y a la guerre dans le chemin d'Allah, nous gagnons le droit de nier depuis Zakat parce que normalement, Zakat, il a
même dans une personne qui est riche, mais c'est ma cause de la guerre dans le chemin d'Allah. Ça dit là, il donne ce zakat pour la guerre dans le chemin d'Allah. Alors, un riche vini, un pauvre vini, ça veut dire s'il finit ses armes avec ça, il gagne le droit de servir ses armes là, même s'il est dans l'argent, c'est par exemple mon tueur, il gagne le droit de servir mon tueur là parce que. L'hypère de la guerre dans le chemin, d'Allah, comment un comité fait toi? Alors, il dit, c'est quelqu'un qui a une toi, depuis ça, là, et qui te, déjà, une quantité qui suffit pour toi, t'es obligé par accepter. Donc, ça, c'est important, ça. Pas tout cas qui dit de nous, et qui ou pas mérité ou prend même. Pas dire, mais moi, pas demander les mines de moi. Mais, ni une pensée, qui ou mérité les mines de nous, ou si vous connaissez. Qui ou pas mérite ça ou pas gagne droit prendre. Par contre, il y a une de nous, vous avez une de moi, pas demander ou prendre. Si ou pas mérite sa case zakat là, ou obligé retourner. Ou besoin d'y aller prendre. Mou pas mérité. Alors, là, Hadjimoun là, il besoin prendre ça et elle donne un qui mérite. Parce que zakat bizarre, elle, seulement vers sa 8 qui Allah subhanahu wa ta'ala fin mentionné là. Alors, si ou pas une fakir, ou pas une miskine, ou pas Ahmad les autres qui mentionné là, alors, ou pas mérite zakat. Et là, nous attirons l'attention, Mandimoun, qui je peux gagner un petit la paix qui suffit pour je vivre. Si Dimoun peut croire que je misère, fin de vie d'un jeune, et je ne pas mériter, pas prendre. Comme ça même, tout le monde qui gagne pension. Si je pension, suffit pour je. Si je pension, suffit pour je. Et qui dans le passé, pension, titiguit. Je peux mériter, longtemps, du moins tu peux venir de Dieu, je peux prendre. Pas faire ça l'habitude là, venir un petit chose obligatoire là où. Si vous pas mérité, ou pas gagner droit, prendre. Comprends ça bien. Vous pouvez dire ça du monde qui fait de nous là, qui n'est plus en besoin à se faire, retenir les autres du monde qui méritent ou à donner. Alors ça, c'est où devoir. Cher soir, les forçants dire, les riches, pas gagné droit de ni zakat. Pas gagné droit de ni, et chez le comité fatwa, dire, il est obligé pas accepter. C'est-à-dire, il n'a pas gagné droit, prend ça, ni. Parce qu'il ne nous pas connaît, nous pensons, il est comme misère. Et man qui, normalement, je donne zakat, je gagne droit, prend ça, man renseignement là, bien. Si, ou trouve un dimoun, il n'est plus mérite zakat, ou pas gagné droit, continue de ni. Ça veut dire, 10 bananes, tu peux donner, tu peux venir même. Mais là, avec, sa augmentation qui finit dans la pension là, vous trouvez qu'il s'agit de là, il y a un souci la case, il y a un grand problème de la santé, il peut gagner sa pension, mais il est correct, il n'y a pas mérite sa case. Peut-être longtemps, avec sa petite la monnaie sa case, avec sa petite pension là, il mérite sa case. Mais à ce temps, non. Alors nous devons veiller ça qui est là et ne pas donner une banque qui est riche d'après la charia. D'après la charia, c'est du monde qui est là sur moyen pour les vivre, pas de nécessité. Ça veut dire qu'il l'iris, si vous gardez le teneuf, tout ça, non, nous cause une quantité de richesse qui est capable de vivre. C'est pour, il est capable de vivre tranquillement. Il est capable de vivre tranquillement, il est capable de faire ce man, nécessité. Comme ça même, un riche, il n'a pas gagné droit à acheter ce zakat. Il n'a pas gagné droit à acheter ce zakat. Alors, si une personne qui donne une petite chose en soi d'accord, il n'est pas en droit à ces sacrifices là, même si sa personne là peut vendre. Même si sa personne là peut vendre. Alors, quand on dit dans le zakat, il y a certains man, il y a des animaux qui incluent. Si un dimoun tient des animaux, qui se fait tirer comme zakat, il donne ça à un dimoun, à ce dimoun là, quand il prend, il peut vendre ça. Est-ce qu'il a un droit à acheter ces animaux là? Non. Même les vannes, plus c'est qui sont pris. Même les vannes, plus bon, c'est aussi, ou pas gagner droit, ou pas gagner droit à acheter ça. Une fois, on m'a rapporté par Ibn Omar, il dit à Omar, radiallahu anh, tu donnes un séval dans le chemin d'Allah, et ensuite, il fait une trou qui s'appelle ce nom, et vendit. Alors, il fait nous lire, c'est dit, mais il a demandé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, pas retourne dans ton sadaqa au Omar. Et dans les autres voyants, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui retourne dans ce sadaqa, il paraît comme un initien qui fait une retourne dans ce vomi. Il paraît comme un initien qui fait une retourne dans ce vomi. Ça veut dire, et du coup, une fois qu'une fille donne une chose comme ça, d'accord, il n'y a pas gagné droit, c'est ça. S'il y a ça, comme s'il veut retourner de ce beau vomi. Alors, il y a une chose qui n'est pas permissible pour ou acheter ou propre, soit d'accord, qu'il faut donner. Comme ça même, un étudiant qui peut apprendre 10
dans Darul Uloom ou bien dans l'université islamique. Ce n'est pas juste ça critère-là qui vous donne zakat. Mais si étudiant là, limité, là vous donnez zakat pas à cause d'un étudiant, mais vous donnez zakat à cause de misère. Vous donnez zakat à cause de misère. Comme il était pas toi l'arabe, il dit, gagne le droit de donner zakat à un enseignant et étudiant dans madrasa qu'on peut faire tahfidh du Coran si ben la pauvre. Si ben la pauvre. Mais si ben la pas pauvre, c'est-à-dire ça, nous pas gagne le droit de donner. Nous pas gagne le droit de donner à l'enseignant à cause d'un enseignant, nous payons uniquement dire avec zakat. Pas gagne le droit. Ça, définitivement pas gagne le droit. Mais si le professeur qui peut donner les sons là, les misères, les pauvres, les pauvres. Étudiant là aussi, nous n'avons pas le droit de donner zakat. Nous n'avons pas le droit de donner zakat. Mais si les misères nous donnent zakat, nous donnons zakat. Comme ça, nous n'avons pas le droit de donner zakat dans la construction de l'école islamique. Car en l'école, nous n'avons pas le droit. Cheikh Ousmane dit, nous n'avons pas le droit de donner zakat ni dans la construction de la masjid, ni dans la construction de l'école, et ni dans le refaire de chemin. Alors, ça va être place là, nous pas donne casse zakat. Comme ça même, nous pas donne casse zakat dans roule ban l'école islamique. Ban l'école islamique, si ban du monde, il fait des efforts, il met une école islamique pour que nos enfants aient un bon environnement, mais il y a d'autres qui c'est un travail très noble. Mais seulement, nous pas gagne le droit de prendre casse zakat pour rouler ça l'école. Ou gagne le droit de prendre ban donation, ou gagne le droit de tout ban moyen qui licite pour gagner ban fond, mais seulement zakat n'est pas appliqué dans ce contexte. Malheureusement, beaucoup d'écoles islamiques, je prends casse zakat pour le jeu d'école, et ça, c'est un grand erreur. Comme il était fatwa à l'Arabie, dire, pas gain droit de donner zakat pour dépenses dans l'école islamique. Comme il était fatwa à l'Arabie, ce fatwa clair, comme ça, direct. Là, il y a toujours un sorf min zakat fi nafaqati ala al-madaris al-islamiyya. Pas gain droit de donner zakat pour dépenses l'oban l'école islamique. Excepté si vous donnez ça à ban pauvres parmi ban enseignants et ban les autres ban travailleurs ou élèves à cause de pauvres. Pareil, même condition que ban nous disions, fait que là. C'est-à-dire si nous donnons professeurs ou bien élèves, c'est-à-dire nous donnons les élèves là qu'on les pauvres. Nous donnons ni qu'à cela. Mais nous pas prendre qu'à cela, nous roulons l'école. C'est-à-dire pas gagner droit de ban l'école islamique pour rouler l'école. Comme il était fait à l'Arabie dire, quant à l'école coranique, si c'est lui qui paie tiers zakat, il donne ça à un responsable de l'école. Pour qu'il lui donne ça à ban zélé pauvre et ban les autres qui pauvres, ça lui permet. C'est-à-dire qu'il donne aux zakat dans l'école, mais qui l'école pour faire lui pour autre ban pauvre dans ban zélé et ban brosé, il donne aux autres sa casse zakat là. Alors s'il est comme ça, il n'y a pas de problème, ça lui permet. Mais si c'est lui qui paie tiers zakat, il donne ça pour faire budget de l'école, c'est-à-dire pour payer, il peut faire budget de l'école, c'est-à-dire pour payer professeur le temps, pour payer man qui paye les élèves le temps, alors ça, pas gain droit. Afin qu'il, comment faut-il la dire, mais si c'est lui qui paie tiers zakat, il donne ça pour faire budget de l'école, afin qu'il dépense ça pour enseigner le Coran et les sciences islamiques, ça, pas gain droit. C'est-à-dire pour dépenses d'école, ça n'a pas gagné, ça n'a pas gagné, n'a pas gagné droit. Comme ça même, pas gagné droit d'un zakat pour construction masjid. Alors, il y a beaucoup de monde, je prends un zakat, je te le donne copier en masjid. Pas gagné droit. Chez Mimbaz, je dis pas gagné droit d'un zakat pour entretenir construction ban masjid, c'est majorité ban savant. Parce que, comme on dit, l'office Abililah, alors l'office Abililah, c'est pas n'importe qui travaille ça, ça c'est djihad. Alors, à rendre ma dîme, un travail très noble. En qui l'argent? Nous faisons aller avec man, soit d'accord normal, avec l'illa, comme on appelle l'illa, c'est juste en l'illa qui nous fait ce bon travail-là. Même l'école islamique, pour rouler, en l'illa. Mais en zakat, non. En zakat, non. Comme ça même, dans la publication de man livre islamique. Publication de man livre islamique, un très bon travail. Mais seulement, nous pas servir qu'à zakat. Comme il était fait à l'Arabie, dire, pas gagner droit à ce man livre avec l'argent zakat. Et ensuite donne ça en cadeau. Ou bien c'est pour donner cadeau. Même ou bien c'est pour faire d'avoir avec un kafir. Alors vous n'avez pas gagné droit. Parce que 4 zakat, pas gagné droit, c'est lui dans sa direction-là. Vous n'avez pas gagné droit, c'est lui pour donner cadeau. Cheikh Mimba dit, nous pas donner zakat pour entretenir Ben Mazid.
ou bien pour acheter ban livre et pour ban kicho semblable. C'est-à-dire pour ban kicho pareil, nous pas servir cas zakat. Comme ça même, nous pas servir cas zakat pour construction l'hôpital ou bien clinique islamique. Alors, comité fatwa la ravizir, pas gain droit de dépenses zakat dans construction de ban masjid, ban l'hôpital et ban institution de bienfaisance. Même, ni capable, une organisation islamique pour l'arranger. Ou pas prendre cas zakat pour arranger ça. Prends cas l'illa ou arranger. Mais, or, cas zakat pas gain droit à l'œil de sa banque direction. Comme ça même, dans l'enseignement de la connaissance islamique, c'est pour ça que je veux dire, pas gain droit de zakat, ni dans la construction de la masjid, ni dans l'enseignement de la connaissance et ban kitcho pareil. C'est même pour l'enseignement islamique, ou pas prendre cas ou donne dans sa banque institution. Ou pas gain droit de dans ma institution, copiance, dans ma madrasa par exemple, ou pas gain droit de ou cas zakat, c'est pour madrasa. Mais, ou gain droit de bons enfants qui pauvres là-dedans, ou donne je. Ben, le professeur qui pauvre là-dedans, ou donne je. Mais pour donner madrasa là-même, pour rouler madrasa, ou bien pour rouler l'école, ça n'a ça pas gain, pas gain droit. Comme ça même, dans le projet, ça ritable. Dans n'importe qui, projet, ça ritable. Alors, le comité fatwa l'arabisien, pas gain droit de dépenses zakat dans la construction des bandes centres islamiques, ou bien pour agrandir bandes centres qui déjà existants. Alors, n'importe qui ban travaille pareil, pas gain droit. Comité fatwa l'arabie, toujours le dire, pas gain droit de dépenses zakat dans n'importe qui chose qui font partie des bandes services publics, tels comme ban construction de masjid, ban pont et autres semblables. Cheikh Fawzan, il dit, pas gain droit de zakat dans ban projet charitable. Ni dans la construction d'un pont, ni dans le projet public, ni dans l'école, ni dans le masjid, ni dans les autres projets charitables. Même ban puits, pas gain droit. Même ban puits, pas gain droit. C'est zakat, pas gain droit, donne dans sa ban direction. Mais l'illa nous veut dire ça, lit ok. Dans le RCS médical, c'est-à-dire si un dimonde, par exemple, il connaît une nation, peut faire un RCS médical pour amener une solution. Pour ban malade, maladie qui est non. Alors, pas gain droit. Alors, comité chef Bimba, sur fatwa, l'on dépense qui fait dans la médecine, on a posé une question, est-ce qu'il, avec l'argent zakat, gagne droit à acheter un matériau médical pour ceux qui suivent, c'est-à-dire premièrement, pour l'intérêt des malades en général, tels comme un appareil dialyse. Alors, comme réponse, il n'y a pas gain droit avec l'argent zakat. Comme ça, on a fini de demander, deuxièmement, pour un qui recèse médical qui pour aider l'avancement de la médecine, il n'est pas permissible. Troisièmement, on a dit pour acheter un médicament pour un malade et un pauvre. Pour acheter un médicament pour un malade et un pauvre. Alors, comme réponse, il n'y a pas gain droit. Mais nous donnons l'argent là à un pauvre là et ben là, je te dépense qui est bizarre avec ça. Nous donnons un pauvre là, l'argent là, je te dépense qui est bizarre. Comme ça, même zakat, il n'est pas permissible à un kafir. Nous n'avons pas gain droit de donner zakat kafir. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam disait si quand on fait de la voix dehors, au manna de Yémen, si je fais cela, fais je connais qu'Allah fin fait un zakat obligatoire dans votre richesse, qui te prend depuis les riches parmi eux et te donne parmi les pauvres parmi eux. C'est prendre depuis riches, musulmans, et donne parmi les pauvres des musulmans. Alors, zakat nous prend depuis les musulmans et nous donne 10 musulmans. Basant le hadith Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Khudama, il dit, nous ne connaissons aucune divergence pour un savant, le fait qu'il a un zakat, pas gain de droit de ça, ni à un kafir, ni à un esclave. Ibn al-Mundhir, un bon imam alim, il dit, tout bon savant qui nous retenait les jeunes, ben là, unanime, le fait qu'un dhimmi, misait pas de ni zakat, depuis leurs ans zakat. C'est-à-dire, pas gain droit de ni depuis leurs ans zakat. Un dhimmi, c'est un kafir qui vit dans l'état islamique. Un kafir qui vit dans l'état islamique et lui paye tizia. Alors, nous pas gain droit de prendre zakat de ni. C'est une misère, nous gain droit de prendre, ben, soit d'accord, nous avons aide lui. Avec l'illa, nous avons pas aide même un kafir. Et comme un aide pour un kafir, nous avons aide lui avec ben donation. Mais avec zakat, non. Zakat, ça, sur la loi, il est un peu plus précis. Nous devons prendre en compte l'enseignement. Comité Fatwa l'Arabie, je veux dire, pas gagné droit de zakat à l'organisation UNICEF pour la protection des enfants parce qu'ils sont en activité et sont en dépense, ils pas existent pour les musulmans. Il y a des musulmans aussi qui bénéficient, mais il y a des autres à part les musulmans, alors pas gagné droit de dans sa qualité institution.
comme dit Fatwa al-Arabi, dire, pas gagner le droit de donner zakat, excepté à celui qui nous fait une sire dans son islam extérieurement. Il faudrait qu'il, quand nous pégétlit, apparemment, nous trouve qu'il y a un musulman. En donc, il y a non, ça nous pas connaît. Si il y a un mounafik, il dit, il zakat, il misère, nous donne. Parce qu'il y a un mounafik, nous ne connaissons pas dans l'équipe. Mais nous, quand nous connaissons un kafir, nous pas gagner le droit de donner zakat. Comme dit Fatwa al-Arabi, toujours, je dire, pas gagner le droit de donner zakat à un non-musulman, à un kafir. Excepté Aban qui nous donne zot pour nous gagner zot équerre. Ça veut dire qu'il nous connaît, zot est intéressé vers l'islam, alors ça va là, oui. Comme ça même, cher vous avez dit, quand tu as zakat, il n'y a pas permis de point de kafir, excepté s'il est considéré comme celui qui nous peut donner ça pour gagner sur l'équerre. C'est-à-dire s'il nous montre ben, l'intérêt qui est intéressé avec l'islam, alors même bien kafir, comme on dit, ça, là, il n'y a pas d'exception. Cher Fawzan, il dit, zakat, nous donne ça à Aban pauvre, pour Aban musulman. Nous pas donne ça à un koufar, excepté si vous donnez ça pour gagner l'équerre, comme nous finissons d'expliquer quand on discute l'eau ben, qui nous gagne l'équerre. Comme ça même, un pauvre qui est un riche fin prend ses responsabilités. Lui-même, lui, est un pauvre. Lui. Mais c'est moi un riche, un dimanche qui est riche, il finit prend ses responsabilités. Il finit prend ses responsabilités. Par exemple, une madame, ce monsieur fin beau, alors ce frère, il finit prend ses responsabilités. Son frère, il finit prend ses responsabilités. Et son frère risque. Alors, dans ce cas-là, madame là n'est plus considérée comme misère. Même un autre monde en dehors, il n'est pas nécessaire son frère. Un autre monde, il finit prend ses responsabilités. Pour donner tout ce qu'on dépense. Alors, une fois qu'un monde prend ses responsabilités, alors il n'est plus considéré comme pauvre. C'est une base dire n'importe qui pauvre, qui aime son proche, finit prend responsabilité sur les dépenses, il n'y pas mérite zakat. Aussi longtemps qu'il se proche peut dépenser sur lui une quantité qui ça suffit pour lui. Mais si proche là peut aider partiellement, une partie, peut aider une partie, alors là, il y a encore toujours en besoin, il y a encore considéré comme miskin. Nous dire un dimon qui, sa famille, il prend toutes ses responsabilités. Il paye non aucune responsabilité. C'est-à-dire, s'il y a une location, il peut payer sur location. S'il y a une commission, il peut payer toutes ses commissions. S'il y a une médecine, il peut payer sa médecine. Mais dans un signe, la famille peut prendre un bout de sol. Et il n'y a pas qu'un tracant pour payer ta location. Alors, sa location, paye ça aussi. Mais concernant sa dépense, il manque, là, il a un droit de prendre zakat. Là, il a un droit de prendre zakat. Alors, ça dit monde qui peut prendre sa responsabilité, s'il peut prendre toute sa responsabilité, il n'y a pas mérite zakat. Mais s'il peut prendre une partie et qu'il y a encore un besoin, là, il a un droit de prendre zakat. Comme ça, même un proche pauvre qui. Moi-même, mon fils prend sa responsabilité. Moi-même, mon fils prend sa responsabilité. Alors, ou pas gagner droit, prend ou zakat, ou prend sa responsabilité, ou pas prend ou zakat ou donner. Parce que quand on prend sa responsabilité, ça veut dire qu'il vient sous ou responsabilité. Ou pas gagner droit, prend zakat pour soulager ou même. Alors, dans ce contexte-là, ou pas gagner droit, prend ou zakat de nous-mêmes. Parce que quand on peut donner ou, on peut donner zakat, c'est on peut donner nous-mêmes. Parce qu'on prend sa responsabilité, finalement, on peut donner nous-mêmes zakat. Alors, comme il était Fatwa al-Arabi dire, une personne qui peut tirer zakat, il gagne le droit de donner sa zakat-là à un proche qui n'est pas obligé de faire je dépense, manger, boire. Ça, il n'est pas obligé de faire je dépense, manger, boire, ma nécessité. Alors, si, ben là, il n'est pas obligé de donner zakat, là, là, ça va encore des proches-là, il gagne le droit. Mais si, il est obligé de dépenser aux autres, là, il n'y a pas gagné droit. Cheikh Albani, rahimahullah, il dit, zakat et nafaka. Nafaka, c'est une dépense qui nous fait. L'eau, ben, du monde, vous êtes mangé, bois, etc. Ça n'est pas joint ensemble. C'est-à-dire, si une fille prend ça pour nous dépenser aux autres, alors, on ne peut pas prendre zakat, nous joindre là-dedans, parce que ça n'est pas mort ensemble. Soit on peut prendre ce sort, soit on peut donner zakat, mais on n'est pas capable de prendre ce sort aussi et on donne. Ou donne lui-même ça, zakat. Cher, vous avez dit, quand tu as un qui t'a obligé de dépenser aux autres nécessités, pas gagné droit de donner man là, ça, pas gagné droit de donner man là, zakat. Alors, chaque fois, vous avez dit, une personne ne vient pas donner zakat pour qu'il ça empêche lui pour faire dépenses et manger, boire, quitter sa responsabilité. Pas donner zakat pour qu'il diminue sa dépense. Alors, dans ce cas, il n'a pas gagné droit. De prendre zakat là pour dépenser ça qui définit prend sa responsabilité là. Comme ça même, une personne n'a pas gagné droit donne ses parents ou ses enfants qui sous sa responsabilité zakat. Alors, nos parents,
supposé l'ONU responsabilité, nous avons supposé l'ONU responsabilité. Mais arrivé que certains enfants n'aient plus leur responsabilité de parents. L'infini marié, il a resté de côté. Il n'est plus leur responsabilité de ses parents. Ses parents n'est plus dépensé leur vie. Et lui aussi, il n'est plus dépensé sur ses parents. Ses parents peuvent débris ses affaires, lui peut débris ses affaires. Alors, Balourama fait diviser là. Est-ce que, dans ce contexte-là, si ça met ses enfants-là dans une difficulté, et papa-là est dans l'argent, est-ce qu'il a le droit de donner zakat sur ses enfants? Et là, il dit non, il est parmi ceux ce ban qui lui besoin de dépenser leur lit, alors pas gagné droit. Mais il n'a pas normalement, je dis non. Vu qu'il n'est plus leur seule responsabilité, quand tu restes côté lit, tu dépenses au lit, mais quand il reste un côté, il n'est plus dépensé au lit. Lui débris ses affaires, lui. Ça veut dire qu'il n'est plus et n'a aucune responsabilité de sa papa-là pour dépenser au lit à ce terme. Alors si papa-là n'est plus dépensé au lit, là, il m'était bien de dire, une personne n'a pas gagné droit de donner zakat à ses parents, et ban qui là-haut ce parent, c'est ce dada, ce parle dada, pas gagné droit. Et aussi ses enfants, et ban qui en bas ses enfants, ses petits-enfants, pas gagné droit. Si ban la pauvre, c'est si ban la pauvre, pas gagné droit. Et ni incapable pour dépenser l'eau ban. C'est-à-dire, ni pas capable de dépenser l'eau ban. Alors, une personne pas gagné droit de zakat à ses parents, et ban qui là-haut ses parents. Et aussi à ses enfants et ban qui en bas ses enfants. Mais si ban la pauvre, si ban la pauvre est incapable de dépenser le ban là, alors une maman, elle est pauvre et il y en a des enfants qui sont petits et qui ban là et dans l'argent, si d'en faire dépense de sa maman là, elle avait dépensé depuis juste l'argent, ça propose ban des enfants là du tout, alors capable d'une maman là depuis zakat de ce ban enfants. Et dans ce cas, maman là, si vous dépensez, alors ça vous fait du tout, l'eau n'est pas pour assez, alors qu'elle prend depuis Zakat des bons enfants là pour donner ça à maman là. Et dire, c'est lui qui parmi ce bons enfants, et la banne qui n'est pas obligée de dépenser l'eau banne là, il gagne le droit de donner maman là Zakat. C'est les bons enfants là, banne à faire un côté, il n'est pas dépensé aux autres, il gagne le droit de donner Zakat dans ce contexte là. Qui chose qui banne là peut bien, et qui ça partie de son habitude pour dépenser. Ça, depuis ça, quelque chose, depuis dans notre tristesse. Alors, par exemple, ça, une fatwa qui, chez Ibn Taymiyyah, fin de dire là, chez Ibn Baz, c'est dire, les musulmans n'ont pas gagné le droit de faire zakat, ni pour donner à ses parents, ni pour donner à ses enfants, mais ils sont obligés de dépenser le banla depuis ce l'argent. Si banla peut en besoin de ça, et il y en a moyen pour dépenser le banla. C'est-à-dire, pour, s'il y en a moyen, il est capable de dépenser leurs autres. Chez Al-Bani, dire, nous, l'opinion qu'ils ont enfants, gagnent droit d'un parent zakat, et parents gagnent droit d'un enfant zakat, si je peux vivre, si je pas peux vivre ensemble, si je pas peux vivre ensemble, avec une seule la cousine, et qui n'a pas peut dépenser l'eau l'autre, ça n'est pas peut faire souvent dépenser l'eau l'autre. Alors, cher Mimaz, dit le film, dit pour un humain ou la main qui ont PC, dit dire, parents, enfants, chacun besoin de penser aux autres camarades. Cheikh Albani, il dit, si pas parmi les gens qui dépensent aux autres, malgré les parents, les enfants, alors capable de nous zakat. Cheikh Othaymin, c'est pareil, il dit, l'opinion plus faux. Et ce qui est correct, c'est qu'une personne gagne le droit de nous zakat à ses parents et ses enfants, aussi longtemps qu'il pense ça, il n'y a pas repousse à l'obligation de lui, c'est-à-dire l'obligation de faire dépenser aux autres. C'est si pas lui qui a besoin de faire l'obligation là, ben là tu as besoin de débrouiller pour eux-mêmes, alors il gagne droit. D'une autre façon, il dit, avec l'argent zakat, une personne gagne droit à qui dette de son papa ou son maman ou son garçon ou son petit fils, à condition que papa là, pas tu prends sa dette là pour qu'il y dépense le son garçon là même. Si il y prend sa dette là pour faire une dépense qui est obligatoire au lit, il n'y a pas gagné droit. Alors, pour résumer ça, nous dire, tout monde qui est sous responsabilité, ça veut dire, ou pas gagner droit pour zakat, ou pas gagner droit de nous autres zakat. Mais monde qui pas sous responsabilité, ou gagner droit de nous autres zakat. Comme ça même, une personne, son épouse, c'est-à-dire, un monsieur, pas gagner droit de nous zakat sur madame. Ça, c'est règle générale. Pas gagner droit, un monsieur, pas gagner droit de nous sur madame zakat. C'est-à-dire,
normalement, tout dépend de sa madame-là, l'innocent, l'osomissé. Mais, et dans certaines circonstances, quand un monsieur est capable de sa madame, zaka, nous cause en général là en premier. Ibn Qudama dit, Ibn al-Mundhir dit, finit la consensus par Ibn al-Ulama, le fait qu'il y ait un homme, il n'y a pas de sa madame zakat. C'est là parce qu'il fait dépense. C'est-à-dire, il fait une nécessité, il est obligatoire le son, monsieur. Ça veut dire qu'il est obligatoire le son, monsieur, pour les dépenses, le son, madame. Comme il était fait à l'arabe, il dit, tu n'as pas gagné le droit de zakat à ta madame parce qu'il est obligatoire qu'il te fait dépense le côté manger, boire, l'habillement, éloge et logement. J'ai envie de dire, ces messieurs-là donnent sur madame zakat pour ses dépenses, pour qui madame-là achetait vêtements, nourriture, ça n'est pas faire l'obligation zakat tomber dans l'eau. Mais s'il si donne pour qui madame-là lui rembourse ses dettes, ça lui fait l'obligation zakat tomber des lits parce qu'un homme pas obligé à qui dette de ce madame. Vous mariez avec une madame, quand vous mariez avec lui, se manger, se boire, se logement, se vêtement, ça obligatoire l'eau. Mais ce dette qui est là, est-ce que monsieur là obligé de rembourser dette? Non, il n'est pas obligé de rembourser dette. Alors, si un monsieur il prend ce casse zakat, il donne ce madame, pour sa madame là rembourser ce dette, ça n'a rien. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que sa dette là, il n'est pas une obligation, l'eau, sa monsieur là pour rembourser. Alors, une question qui n'est pas obligatoire l'eau, pour lui faire, s'il lui donne depuis zakat, alors il permet, alors il perd, il permet. Alors, il y a encore beaucoup de points qui restaient. Alors, pour aujourd'hui, ça nous paraît là. Inch'Allah, demain, nous continuons. Les restes de personnes qui n'ont pas gagné le droit de nous autres zakat. Du monde qui n'ont pas gagné le droit de nous autres zakat. Encore, il y en a plusieurs, on va nous dire. Alors, nous pouvons élaborer là, plus pour être capable, plus comprendre tout le monde qui méritait et qui n'a pas mérité. Malgré qu'il nous capable de passer un petit peu. C'est-à-dire en vitesse, là, certaines manques, quand nous sommes cool, le ban qui méritait la même. Mais là, nous pouvons expliquer plus clairement pour qui ban du monde, je vais être éclairé bien, pour je connais qui ban qui vraiment mérite ce zakat, pour qui je donne zakat là à ban qui méritait. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous la compréhension, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous, pour nous mettre ça, ibadat là, en pratique, comment lire les finances enseignées, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pardonne nous pour tout ban manquement qui est capable de nous pas, pour le qawli hadha. أستغفر الله لي ولكم وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين